Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Vous allez bien? Moi, je vais bien, merci. Bonne fête d'Action de grâce. Aujourd'hui, c'est la Thanksgiving. Action de grâce. Un peu comme la fête de moisson, là. Voilà. En Afrique. C'est un genre comme ça. Ici, au Canada, on fait ça aujourd'hui. Et puis, aux États-Unis, c'est plus tard, j'ai un peu oublié. Voilà. Où sont les locaux? Faites glisser, je vous vois quoi. C'est ça l'affaire avec. Okay. Je vais diminuer ici. Bon, j'ai quelque chose. Ça il veut. Bon. Hey, Betty Payet, comment va? Parfois, je vois pas les commentaires ici, donc je suis obligée de mettre le téléphone là. Et puis, ça continue. Merci. Ok. Vous allez bien? Bon. Je vois juste le commentaire de Bertine. Je veux voir les autres commentaires là. Aujourd'hui, c'est dimanche, Action de grâce au Canada. Ouais. Je fais une petite dinde. La dinde est au four. Le dîner est prévu pour midi 30, 13h. Ok, merci. Merci pour les cœurs déjà. Donc. Merci, merci. Je vais vous présenter les produits avant de rentrer dans le vif du sujet parce que c'est un sujet qui est important pour moi. Je sais que quand c'est important pour moi, sur le champ, ça peut ne pas être important, mais c'est quand vous faites l'expérience et puis vous me revenez avec ça là. C'est là, moi, je relance le débat. Quelqu'un me dit coucou. Comment va? Merci beaucoup. Qui m'a dit coucou? Nina Soum, comment ça va? Béatrice, appelez maintenant toi, Serge Lago. Vous venez mettre plein de messages comme ça sur les vidéos des gens. Lazare Côtois, vous allez bien, merci. Je vous présente les produits. Après, je vais rentrer dans le vif du sujet qui est très important pour moi. Et puis, ce n'est même pas un sujet chose là, c'est quelque chose d'important. Le miel, ça c'est du 500, 500 grammes. Oui, c'est ça. 500 millilitres, oui, parce qu'on parle de liquide, donc c'est millilitres. Ça c'est du 500 millilitres de choses, comment on appelle ça? De miel. Donc, n'hésitez pas à en commander. Et puis, le mil, ça c'est pour le deguette, ça c'est pour la bouillie. Voilà, les produits secs. Non, je n'ai plus d'appui. Voilà, comment on dit ça, les caclouches. Caclou encore appelé siokor ou bien appelé clé. Tout dépend. C'est qu'est-ce, c'est la sauce longueur, c'est qui tire là, c'est ça. N'hésitez pas, si vous en voulez. J'ai de la livraison à faire cet après-midi à Montréal. Quand je finis de dîner à 13h, je me repose. 15h, je prends la route, je viens à Montréal. Donc, si vous voyez les produits, vous pouvez commander, je vais venir vous livrer. Après ça, vous me posez votre commentaire par le numéro qui se termine par 91-21. Je vais venir vous livrer à Montréal. Tous les produits que je vous présente en ce moment, j'en ai. Ça, c'est le gnagna. Gnagna aussi. Très bon. Ok. Je n'ai pas de champignons bruns, j'ai des champignons noirs. Ça, c'est le beurre de karité. Ça, c'est les champignons noirs. Ouais. Ça, c'est le beurre d'arachide. Non, je ne vais pas dire beurre d'arachide. Pâte d'arachide, voilà, la pâte d'arachide pour la sauce. On peut manger avec le pain aussi. Dans tous les cas, pâte d'arachide bio, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de produit gras, il n'y a pas de sucre ni rien dedans. Très bon pour la sauce. En tout cas, j'ai cuisiné ça. Je ne regrette pas partout ça. Ok, ça, c'est du cancancan. Cancancan, j'en ai. Hein, je vous avais dit, j'en ai. Voilà, donc commandez votre cancancan. Merci beaucoup. Eva.
Eva quoi, Raison, c'est quoi son nom? Il y a Eva Raison, comment va? Vous allez bien, j'espère. Désolée, quand je me mets ici, je ne vois pas les commentaires, je ne sais pas pourquoi. Donc, le cancan. Ok. J'ai les cubes, cubes d'assaisonnement. Cubes d'assaisonnement. Excusez-moi. C'est ça, j'ai des cubes d'assaisonnement, j'en ai deux qui m'en restent. Voilà. J'ai le crevette et puis j'ai le jumbo, cube d'assaisonnement. Voilà. J'ai le câble, l'huile rouge. Je prends le temps pour vous présenter les produits. Là, si vous en voulez, vous me dites. Ok. Ensuite, Oné Lila, comment va? Oui, je vais bien, merci. Yeah, je vais bien. J'ai des escargots. Comme ça. J'en ai le 1 kg. Et puis, j'ai le petit. Un petit comme ça. Ou 1 kg. Ensuite, j'ai du poisson thon. Le thon salé de Gamba. Très bon. Hier, j'en ai livré. Voilà, ça, c'est des produits frais. Donc, je ne les laisse pas longtemps ici. Je mets ici. Je n'ai plus de plat Kali. Le plat là, il m'en reste un peu. Est-ce que le plat là, j'en ai sous la main là? Bon, je sens que. Il y a ça. Le bissap que j'ai. Bissap, vous voyez bien. La pâte de gingembre, très bonne. Ouais. Ça contient déjà de. Comment on appelle ça? Contient déjà du citron et de la menthe. C'est ça. Vous commandez seulement. Je m'en vais cet après-midi à Montréal. Yeah, cet après-midi, je suis à Montréal. Donc, vous commandez, je vais venir vous livrer. J'ai de l'attiéké, très bonne qualité, plus à présenter. J'ai du bon attiéké. Ça, c'est 1 kg. 1 kg bien pesé sur la balance. Plus à présenter. Donc, commandez, puis je viens vous livrer. Après mon dîner, je m'en vais à Montréal. Je vous avais dit que j'ai reçu du poisson broché. J'en ai en ce moment encore. Donc, vous pouvez commander. J'en ai pas assez parce qu'il y a beaucoup de commandes qui sont rentrées. J'ai des commandes que je vais envoyer à Toronto le mardi et puis en Colombie-Britannique. Et ici à Montréal. Donc, commandez. Si vous venez mercredi, jeudi, que vous me demandez, ça se peut qu'il n'y ait plus. Parce que ce n'était pas beaucoup ce qui était là. C'était juste un 30 kg qui était rentré à Montréal. Donc, voici le poisson broché. Attends, je vais vous montrer. Cette fois-ci, là, je n'ai pas de gros, là, mais j'ai des... Voilà. J'ai ce genre, là, vous voyez, non? J'ai ce genre de brochet, là, vous commandez. Je le vends au kilo. Si vous voulez le demi-kilo, je peux vous donner. Ou bien le kilo, c'est ça. Donc, c'est ça. Voyez-vous, non? Ok. Bon. Rapidement. Pendant que je cuisine rapidement, oui, je suis en train de faire la petite sauce légumes. Je vous ai dit, hein, la petite sauce légumes et puis, après ça, du couscous au menu avec la dinde. Donc, Yes Beauty, pour toutes vos coiffures, pour des coiffures de cérémonie, pour des coiffures quotidiennes comme celles que j'ai sur ma tête, Yes Beauty est désormais là. Voilà. Vous voulez vous faire belle pour avoir vraiment fière allure à la maison. Oui, c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on va se délaisser la tête. Donc, Yes Beauty peut vous faire des coiffures que vous pouvez garder pendant au moins 2 semaines, 3 semaines, en tout cas. Bon, c'est sûr que moi, je fais de la pub. C'est pour ça que vous me voyez souvent avec plusieurs coiffures. Sinon, quand même là, elles font du bon travail à Yes Beauty. En tout cas, je suis très fière de Yes Beauty. Depuis mon passage à Yes Beauty, je ne regrette pas. Et puis Yes Beauty aussi, ils m'ont vraiment fait de bons commentaires. Ils m'ont dit, ah, vraiment, tes impactés là, elles viennent ici. En tout cas, depuis qu'on a commencé la pub avec toi, Monica, tu nous fais du bon travail. Je dis, bon, c'est fine. Si les gens viennent, c'est parce qu'ils voient le résultat sur moi. Donc, vous voyez, les terrains du côté de Bengerville, là. Ouais, les achats se poursuivent. Merci encore. Merci à vous, mes impactés. Moi, je vous comprends. Hein? Je vous comprends. Je suis obligée chaque fois de vous rassurer. Je comprends. Parce que les gens se sont tellement fait siphonner là-bas. Oui, ils se sont fait siphonner bien raide là. Là-bas, dans l'affaire des terrains à Abidjan. Donc,
Moi, je n'ai pas de problème. Vous voulez avoir les informations à tout moment. Si vous avez des inquiétudes, vous venez. Je suis là pour vous rassurer. C'est pour ça que je suis là. Voilà. Ok, donc n'hésitez pas. N'ayez pas de crainte pour dire, ah, comme j'ai déjà posé la question, ceci est bien encore, elle va me répondre. Non, je vous réponds. Je vous réponds. Autant que faire se peut, je vais vous répondre. Parce que les gens ont besoin d'être rassurés. Après, des terrains à Abidjan, ce n'est pas du jeu. Hein? Je dis que des grosses arnaques organisées. Voilà. Bon, c'est quand des gens m'avaient dit une fois non. Nous, on pensait que c'était un Ivoirien. Ce n'est pas les Ivoiriens qui arnaquent les gens dans le terrain. Les propriétaires terriens qui vendent les terrains à 10 personnes à Abidjan, ce n'est pas les Ivoiriens. Hein? Donc, c'est ça qui est là. Maîtrisez-vous, calmez-vous. Voilà. Caillou, qui me demande caillou? Lydie Bose, non, je n'ai pas caillou pour écraser médicaments. Ça, je n'ai pas. Je n'ai pas ça. Voilà. C'est que si j'ai beaucoup de choses qui vont venir. Le conteneur qui s'en vient là, il y a beaucoup de choses dedans. J'ai dit que vous allez voir, je ne parle pas trop. Ce que j'ai là, c'est ce que je vous ai présenté en ce moment. Donc, les terrains du côté de Benjamin, n'hésitez pas. N'oubliez pas aussi le pagne. Le pagne pour la cause des enfants. Attendez, allez chercher le pagne. Voilà. Voici le pain qui est là. Voilà. Le pagne, toujours. N'hésitez pas, c'est pour la cause des enfants. Voilà. C'est pour la cause des enfants, pour le projet de couveuse. C'est ça le but du pagne. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Partagez le direct, parlez le sujet là. Quand moi je parle, quand je suis sur les réseaux sociaux, je parlais ici. On m'avait dit qu'elle se la pète. Je me la pétais, voilà ça aujourd'hui. Vous venez me donner raison. Donc, le pain, n'hésitez pas à vous en procurer un morceau. Montréal, 10 dollars le morceau. Paris, ouais, Edith, j'ai reçu ton message hier, je ne t'ai pas encore répondu. Paris, 5 euros. Abidjan, 1500 le morceau. Abidjan, représentante Paris, Edith Tiffone. Abidjan, Huguette, ouais, Huguette de Cargo Group, justement, je vais en parler. Huguette de Cargo Group, c'est elle qui est la représentante Abidjan. Maintenant, si vous voulez le pagne, vous êtes aux États, partout, vous voulez le pagne ici, vous vous adressez à moi, je vais vous envoyer ça. Voilà, on est là pour la cause des enfants. On est là pour tout ce qui peut aider un jour nos enfants, la couveuse, c'est ça le projet. Cargo Group, le chargement pour le conteneur de décembre a commencé depuis le 26. C'est là que le conteneur a déjà commencé. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos produits. Vous voulez ramener des produits ici à Montréal. Vous rejoignez Cargo Group. La représentante, c'est Huguette. Dont le numéro se termine par 74-74, c'est Huguette. Vous la rejoignez et vous faites venir vos produits ici. On est en train de s'y prendre tôt. S'il vous plaît, n'attendez pas la dernière minute pour venir envoyer vos produits. Donc, quand c'est comme ça, là, ça fait que chaque fois, le conteneur est retardé et c'est pas nice. Vous comprenez? C'est pas nice. Voilà. Donc, c'est ça. J'ai vu que vous m'envoyez des messages immigration. L'impacteuse, est-ce que le monsieur qui fait immigration, là, il est toujours là? Mes amis, monsieur Magadi est là. Monsieur Magadi continue de faire des procédures. Pas plus tard que ce mois, monsieur Magadi a encore fait 2 procédures d'immigration. Voilà. Vous voulez immigrer au Canada. Je suis venu, je vous ai tout dit. Tout ce qui a fait à l'immigration. Amounia, qu'est-ce que je n'ai pas dit? J'ai fait des nuits blanches ici. Je vous ai expliqué. Parmi vous là, les informations que j'avais données au début là, il y a d'autres qui se sont engagés. Aujourd'hui, du côté de M. Maragui, d'autres ont eu leur CSQ. L'entrée express, il y a au moins 3 de mon côté dont le gouvernement a déjà validé. Donc, information qu'on peut donner sur l'immigration là. Je vous ai donné jusqu'à. Mais ce que j'avais remarqué, c'est que les vidéos d'immigration, quand je faisais, vous regardez, vous passez, puis c'était dans mon inbox. C'est là, moi aussi, j'ai commencé à arrêter de parler immigration.
Voilà, j'ai dit bon, si vous voulez les informations, M. Magui est toujours là. Mais sinon, l'immigration se poursuit. Vous voulez faire une procédure d'immigration, que ce soit entrée express, étudiant étranger, vous faites seulement, attendez, je vais mettre le numéro de contact. Aujourd'hui, là, comme c'est action de grâce, info@commercialdesti.ca. info@commercialdesti.ca. Il y a une Française qui m'a écrit, je parlais avec elle, je disais à commercial. Elle me dit que ça veut dire quoi? Je dis, ben, à commercial, ça veut dire arrobase. Elle dit, ah, ok, info@commercialdesti.ca. Voilà. .ca. Vous avez vu, non? Vous avez vu, j'ai écrit. Écrivez à M. Magadji. Dites-lui que vous voulez faire une procédure d'immigration. Ouais, parce que lui, il n'a pas de contrat, par exemple. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les choses. Voilà, lui, il n'a pas de contrat, mais il fait des procédures d'immigration. Il a un bureau d'immigration basé ici à Montréal. Depuis combien d'années? Je dirais depuis 30 ans, pour que Dexty existe. Donc, mais c'est un individu qui est très rigoureux. Quand il est parti à Abidjan, là, on est en train de faire un projet pour venir à Abidjan en août prochain. On avait programmé venir à Abidjan, puis il y a eu le COVID. J'espère que vous m'entendez. Attends, je vais enlever ça là. Vous comprenez, je prends le temps pour vous expliquer les choses. J'ai les messages de ça. Mamounia, je ne peux pas. Là, je vous dis. On a une tournée qui est prévue normalement à Abidjan au mois d'août pour venir parler immigration. Ouais, une grande tournée qu'on a prévue pour venir parler immigration. Donc, écrivez-le. Mais M. Maradi, c'est quelqu'un qui niaise pas. Il n'est pas dans les niaisages. Voilà. Parce que quand vous jouez là, moi, il me chicane après. Il me dit, mais Monique, est-ce que toi, tu passes le message à tes impactés? Parce que moi, je suis pas un impacté. Hein? Moi, ça dit, j'ai l'impression qu'eux, ils viennent ici, c'est pour plaisanter avec les gens. J'ai dit, monsieur Magui, c'est le premier que je rencontre avec eux. Ils me donnent l'impression qu'ils sont intéressés. À la dernière minute, encore, ils viennent. Donc, ça fait que bon. Finalement, comme je vous dis, lui, c'est quelqu'un qui n'y est pas. Mais c'est quand même quelqu'un qui est un professionnel, un grand professionnel, monsieur Magui. Voilà. Merci beaucoup. Maman Elise Adjon, tu veux avoir information sur immigration? Écris à info@commercialdesti.ca. Voilà. Prenez-vous écrit à monsieur Magui, il va te répondre. La structure va te répondre. Il y a Anne qui est là, qui va vous répondre, ou bien madame Ayat. Une très belle équipe. Ils vont vous répondre. Tout ce que vous voulez savoir, ils vont vous répondre. Voilà. Tout ce qui concerne l'immigration. Là, on attend. C'est qu'il y a une tournée qui est prévue à Abidjan. Une tournée d'immigration avec M. Magadji Desti. On sera à Abidjan. Moi, je vais m'adapter au calendrier de M. Magadji, mais généralement, c'est au mois d'août. Yeah, au mois d'août, on est actuellement, nous sommes en octobre. Voilà, au mois d'août. Normalement, il y a une tournée qu'on a prévue. Si tout va bien. La tournée qu'on devait faire, puis le COVID est venu là. On va faire cette tournée là, Abidjan. Je vais vous expliquer. Monsieur Magui, c'est papa. Voilà. Il n'est pas dans les informations pète-pète. Les informations à deux balles. On vous donne sur les réseaux sociaux pour vous faire rêver à faire l'immigration Canada. Lui, il n'est pas dedans. Lui, c'est quelqu'un qui est très... Ça dit, il est pragmatique. Il est réel, comme on dit. Voilà. Bon, je vais rentrer dans le vif du sujet. J'ai bien pris le temps. Merci beaucoup. Je vois que vous êtes 100 et quelques personnes. Continuez de partager. Mes amis, quand moi je suis venue sur les réseaux sociaux là, c'est moi, Monique Azed, l'impacteuse, qui avait dit dans une des vidéos, dans mes nombreuses vidéos, que quand vous voulez vous intégrer dans un pays, votre affaire fine d'aller toujours à Abidjan. Matin, midi, soir, à Abidjan. Moi, je trouve que ça coûte trop cher, les affaires d'Abidjan. Moi, je vous ai donné. Je dis que tu es un immigrant, tu viens en Occident, tu veux évoluer là. Affaire d'aller à Abidjan chaque année, vous soulevez la famille, vous partez à Abidjan chaque année là. Ce sont des choses qui mettent en retard. Tu veux évoluer là. Désolé, hein, je suis en train de mettre le jus de la dinde là, dans la sauce à couscous.
tu vas évoluer, tu arrives en Occident. Tu es à faire d'Abidjan matin, midi, soir, fille, là, c'est pas la peine. Parce que quoi qu'on dise là, quand on va à Abidjan, on n'a qu'à se dire les bêtes. Il n'y a pas quelqu'un qui va à Abidjan qui revient si ce n'est pas souvenir dans la tête. En tout cas, si ce n'est pas souvenir dans la tête, les bons moments, à faire tu entends la musique partout, tu es heureux, tu as retrouvé les membres de ta famille, à part ça là, qui va à Abidjan qui revient avec beaucoup d'argent ici? Qui va à Abidjan qui revient? Ça dit, quand on revient d'Abidjan, c'est vrai, c'est le côté nostalgique là qui nous manque. À part ça, tu reviens d'Abidjan toujours. Ça dit, tu vas encore travailler multiplié par 12, multiplié par combien pour te retrouver. Pour vous dire que les voyages sur Abidjan, quand on a des familles, je vous avais dit ici que ce n'était pas si important. Mes amis, je vais d'abord partir du Canada. Tu es un nouveau arrivant. Tu viens d'arriver au Canada. Tu as fait ta procédure d'immigration là-bas. Tu as fait la procédure d'immigration. Tu es rentré au Canada. Ça dit, donne-toi le temps d'abord de réaliser quelque chose ici au Canada. Donne-toi le temps, si tu veux même d'acheter une maison. À Abidjan, tu peux encore acheter un terrain. Et puis, on a les terrains là, on va un peu, on achète le terrain un peu. Dieu merci, après des terrains là, c'est plus acheter tout d'un coup, tout et tout. Moi, ce que je vous conseille, tu es un immigrant, vous êtes une famille d'immigrants, vous vivez ici au Canada, vous êtes encore nouveau. Tu vis aux États-Unis, tu es parti rejoindre ton mari, oh. Ton mari et toi, vous avez fait la green card, oh. Tout et tout. Vous vivez là-bas. Regardez d'abord pour là-bas. Regardez comment vous allez bien vous intégrer là-bas où vous êtes. C'est valable, vous êtes en France, partout. Tu vis avec ta femme là-bas. Vous devez déjà chercher à bien vous intégrer. Bon, les gens de la France, c'est un peu difficile. Par exemple, votre mentalité est trop, elle est trop barricadée. Je vais le dire. Même si vous voulez faire 10 000 vidéos sur moi pour dire que je me la pète, je vais toujours vous dire ça. Parce que les mêmes conseils, tu donnes ça aux gens ici, tu donnes ça aux gens qui sont aux États-Unis, tout de suite, eux, ils comprennent. Ils comprennent que tu viens en Occident, là où tu es. Oui, on a des bonnes personnes là-bas, c'est pas tout le monde, comme je le dis. Mais le problème, c'est que là-bas, c'est en majorité. C'est ça qui me fatigue avec vous, les gens de la France là-bas. Oh, qui m'a envoyé les étoiles? Merci beaucoup. Ah, tiens, c'est qui est là-bas? Quand la fois, les voir, au moins, c'est pas qui est là. Vous comprenez? Donc, et, ou bien c'est mon impacté là qui vient prendre le poisson là. Ouais, c'est bien. Je suis là-haut, je suis en direct. Excusez-moi. Comment tu vas? Maman, je suis en direct. Comment tu vas? Tu ne savais pas que je viens en direct. Mais tu m'as pas dit là. Elle est allée là. Ça va s'occuper de moi, c'est tout. Tu vas s'occuper de ta mère, Yamito. Oh. Oui, je viens, puis tu es en direct. Tu m'as dit là. On te laisse quoi? Tu as envoyé beaucoup de sachets là. Tu veux juste le poisson, non? Tu dis que tu es en direct. Nous, on fait rien. Ouais, il est là-bas. Non, 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 c'est pas grave. Moi, je vais avec toi. Viens, direct. Oui, le poisson qui est dans le sac en avant ici. Là. Où on fait bonjour ma chérie, comment vous allez? Bien. C'est elle qui vient venir commander là. Elle vient. Maman, la nouvelle cliente, viens descendre là-bas. Elle vient toujours ici. Viens relancer le direct. Non, ne faut pas faire ça. Continue le direct. Maman. Pardon. Je t'ai dit. Oui, pas le direct. Ok, si vous êtes coincé, viens descendre. D'accord. C'est bon. Oulala, peut-être que j'ai mis le jus de choses là. Donc, comme je disais, voilà, bien épicé. Oh là là. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, on vous donne ce genre de conseils-là. C'est-à-dire, les mêmes conseils qu'on donne partout, c'est comme vous, un peu là-bas, ça ne vous concerne pas. Mais Dieu merci, comme je dis, ce n'est pas tout le monde. Voilà. Même le même conseil, tu as donné ça à un immigrant qui est ici au Canada. Tu as lui dit que mon cher, tu as ta famille ici, faut te soucier de ici. Tu as 3 enfants. Soucie-toi de pour ici. Comment tu as fait pour payer acheter la maison d'abord ici? Vous êtes des immigrants, vous êtes encore ici. Vous n'avez pas encore acheté la maison. Où vous vivez avec vos enfants, avec votre famille. Les balais, les défilés à Abidjan, ça ne donne rien là-bas. Parce que chaque fois que tu t'en vas à Abidjan, l'argent que tu laisses là-bas, Dieu seul sait.
Quand je suis revenue d'Abidjan, j'ai eu une impactée qui est à Toronto. Elle m'a rejoint, elle m'a dit l'impacteuse. Vraiment, tu es vraiment maman à Canada. Tu maîtrises l'affaire du Canada. J'ai dit comment ça? Elle dit l'impacteuse. Quand je devais aller à Abidjan, moi j'ai dit à mon mari, on va aller à Abidjan en famille d'abord. Et quand on va aller à Abidjan, quand on revient, on va maintenant s'engager dans l'affaire de maison là. Mon mari a dit non. Cette affaire de maison là, on a trop duré dessus. Donc finalement, on a qu'à aller, on va acheter la maison. Quand on va finir d'acheter la maison, les mougou-mougou qui vont rester là, si tu veux partir à Abidjan et les enfants, Dieu merci, tu vas partir. Elle dit bon, Dieu merci, on a acheté une belle maison qui nous plaît. C'est que si c'est un peu éloigné, les enfants sont en train de bouder un peu, un peu. Et s'ils sont petits, c'est pas grave. Mais s'ils sont adolescents, quand même, il faut tenir compte de ça. Voilà, tenez compte de ça quand vous prenez les maisons, quand les enfants sont ados. Bah, ils ont déjà leur réseau social qui est là. Et puis, du coup, vous allez les enlever, vous allez les envoyer loin, tout et tout. C'est pas intéressant. Elle dit, maintenant, j'ai fini d'acheter la maison, elle a fini d'acheter la maison, tout et tout. Son mari l'a aidé avec le billet. Elle est partie avec 3 enfants, putain. Les enfants, ils sont venus petits. Elle dit, le plus grand, elle est venue petit. Les 2 autres sont nés ici. Quand tu penses au confort, tout et tout dans lequel les enfants sont, on s'est retrouvé à prendre une résidence afin de conduire voiture à Abidjan. Tu as été déplacé avec les enfants. Comment tu fais? Tout et tout. Au début, elle a dit, ah, elle prend pas voiture. Mais quand elle est arrivée dans les premiers moments, elle a regardé, elle a dit, ah, elle prend une voiture. D'en prendre voiture là. Elle dit, location de voiture seulement. Elle dit, tu nous connais, non? Je cherchais mon wale-wale, on m'envoie dans un parc auto. J'ai dit, non, moi, je veux une sans taper. J'ai dit, hein? Elle dit, ma copine, attends. Je veux une sans taper. Elle dit, mes amis, je vais vous laisser. Il faut que j'aille m'occuper de mes clients. Je reviens.